Alors là, on est à Aix, apparemment il se passe un truc, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Des laitons, salsa, des danseuses, des gens. Cours de danse orientale, ex-kizomba, de la bachata, passion danse, encore de la salsa. Ben dis-moi, la salsa c'est la mode cette année. Là, ça c'est la queue du musée quoi. Mais ils sont tarés. En fait, on est venu de mauvais jour. Ouais, la dimanche, forcément. Oh mon dieu. Oh la dépression. Maybe I've been here before. I know this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a common and it's a broken. Hallelujah. 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 Il est mignon, Pépé. Hallelujah. Il est trop beau, lui. There was a time you let me know what's really going on below. Alors ça c'est des toiles sur du lin et en fait c'est de la sérigraphie et de la peinture à l'argent. C'est de l'argent. Ici t'as une autre série. Donc on a le droit de marcher dessus ? Ben moi je marche et j'ai le droit. C'est marrant ce truc. Ah oui, il y a des traces de pieds. On a le droit de marcher. Bon, mais si on met ses mains, ça fait quoi ? Ben, comment ils ont fait pour faire une trace ? Mais parce qu'ils disent qu'on a le droit de marcher. Non, non, c'est interdit. On ne peut pas poser les mains. Il faut des instructions. Ah, comme il y avait des mains, je croyais que c'était le principe de... Non, d'accord. Ah, d'accord. Et je me disais, comment ils ont fait pour arriver à faire ce truc-là? D'accord, voilà, mais ça, pardon. C'est juste que ça finit par s'oxyder. D'accord, je pensais que ça faisait vraiment partie de l'homme. Non, c'est pas grave. Si on a considéré pas lui, la consigne, vous êtes élevé comme ça. En fait, je l'ai lu, mais comme j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est une offre participative. D'accord. C'est le concept de l'œuvre, c'est le concept de mais je trouve que c'est cool finalement qu'il y ait les traces des gens. Je trouve ça vachement intéressant. Ouais, mais en vérité, oui, mais bon, elle est conceptuelle et voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Steph, j'ai détruit une œuvre d'art. Trop bien. J'aimerais bien revenir pour voir si ma trace de main se fait. Un mec qui cherche à traduire l'immatériel en forme visible et concrète. Ah d'accord. Ah bah là pour le coup c'est bien immatériel. Et là c'est de la peinture sur le noir.
on est en plein sur l'Ishan Chita, mais j'ai pas tort. J'ai étudié à l'école. Chaque classe qui fait des portraits de ses potes. Et en fait, c'est trop beau parce que quand t'es là, quand t'es là, ça va être frais. Belles œuvres d'art. Elle s'appelle Lambert Stéphanie. Elle est belle, elle est tatouée, elle est rigolote. Elle aime la vie et elle aime l'art. Elle est magnifique cette expo, je suis trop contente pour elle. Je me fais découvrir parce qu'elle est terrible. Et là, on arrive dans le coin de Richard Thier Bencorn. Je ne le connaissais pas. Et là, j'aime bien ce qu'il fait lui. J'aime bien ce genre de peinture là. Je le regarde avec grand plaisir. Ah, les livres sont trop beaux, regarde. Un livre de coloriage Andy Warhol. C'est génial. Galerie qualité. C'est cool! C'est pour apprendre l'art aux enfants, je trouve ça génial. Coloriage de Liechtenstein. Petite galerie en petit warhol, ça doit être sympa ça. Ah mais c'est du Pollock ça. J'aime bien. Mais c'est le paradis, c'est aussi un jeu. Merci. J'adore, quand j'aurai des enfants, je leur achèterai toujours des trucs comme ça. Moi je voudrais Basquiat. Il n'y est pas. Oh, des origami. Avec la lumière. Ah, ça c'est truc peut-être pour adultes. Cette de table à colorier, c'est chine. Pocket qui est mis. Poster géant à colorier. Cahier de coloriage. Ah, oh, c'est marrant ça. Oh purée, oui. Cahier de coloriage street art. Cahier de bidouille. C'est chine. Ça c'est un cahier de coloriage. Cahier de peinture pour apprendre les couleurs. Purée, mais j'aimerais trop avoir des gosses. Oh.
C'est des pinceaux en bois. Alors on est un petit peu déçus là par le musée. En fait il était vachement bien, c'était cool, mais... Mais il n'y avait pas assez de, bah, de toiles, d'objets, c'était... Ça voilà. Se visite en 5 minutes. C'est ça. Donc et là on va aller ici. On va visiter l'église. Et on a une copine d'Instagram qui va nous rejoindre, c'est trop drôle. En fait, je postais les photos d'Instagram et il y a une copine d'Instagram qu'on ne connaît pas encore qui nous a dit « Ah, mais j'habite à côté, machin !» Du coup, on lui a dit « Bah, rejoins-nous !» Et en fait, elle va nous rejoindre. C'est pas génial la vie. Tu rencontres des gens, tu discutes avec des gens, c'est super. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va visiter une église et rencontrer une nouvelle copine et après on va... Miam, miam, miam. Watcha quoi. On va se faire des hamburgers. On va manger et on a faim. Est-ce que tu crois qu'il y aura des hamburgers sans viande? De pommes de terre. Oh, si tu veux pas de viande. Bah ouais, quand tu sais quoi. Cool. La meuf au bout d'un jour elle commence déjà à être végétarienne. Yeah. On va tester. Ils veulent pas nous servir je crois. Ça fait genre, c'est combien de temps qu'on est là? 20 minutes. Oh la rajouteuse. Oh, je suis obligée de te balancer. 20 minutes, mon pote. 20 minutes. Elle parle et tout avec sa copine là. Mais t'es une mytho. Parfait. Ça fait 10 minutes. Alors. Bienvenue, Aix. Bienvenue. Voilà. Elle a la haine. Elle est fâchée. Bienvenue. Voilà la vie de deux geeks. Sur les ordinateurs.
en train de travailler, les mecs. Travailler. Ça travaille dur ici. Travailler. On a tellement dansé sur cette chanson. Ah oui, trop jeune. C'était un mec, une jeune meuf, c'était trop jeune meuf. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. Y'a pas moyen. On va Skype Anaïs. On va Skype Anaïs. On l'écoutait en boucle. Ça, c'est la chanson qu'on écoutait en boucle. Écoute. On était trop folle sur cette chanson. Si elle commence un jour. Tu te souviens? On était à fond sur lui. Dédicace à Wheezy Baby, mon frère. La meuf qui n'a plus de tête. Stéphanie n'a plus de tête. Toutes les trois, on est réunies. Ouais. Yeah. Et Anaïs, on a le même délire qu'il y a 6 ans. On bouffe des pâtes, on écoute de la musique, on fait de l'ordinateur. Voilà. Les meufs, elles n'ont jamais évolué. Hey, comment ça va Stéphanie? Bien et toi? Putain, t'as pas changé, oh, la même tête. Waouh. Je vais te dire la même chose, t'as la même tête toi aussi. C'est ouf. Ah ouais.